Et bonjour, je vais parler de Kate Middleton, on va parler de son état de santé. Vous avez dit il y a quelques jours de cela qu'il y avait des doutes par rapport à ce qu'elle avait eu comme problème de santé parce qu'elle paraissait en meilleure santé que quand elle était partie. Donc les gens ne comprenaient pas, par exemple, pourquoi elle n'avait pas perdu ses cheveux alors qu'on disait que le traitement qu'elle avait eu était assez important et débilitant, n'est-ce pas? C'est en tout cas ce qui avait été donné comme raison et que d'ailleurs son retour l'avait fatiguée. Alors, il se trouve que depuis quelque temps, depuis quelques jours, je crois que l'équipe de William fait le tour des podcasteurs pro la famille royale. Ceux qui passent leur temps d'habitude à insulter Meghan Markle et le prince Harry, ils font ça en fait hein, pour justifier le fait qu'elle soit en bonne santé. Et ce qu'ils ont donné comme raison de son apparence plutôt en bonne santé, bien portante, c'est qu'elle a mis au moins 2 heures à se maquiller pour cacher les effets de la chimiothérapie. Alors là, je me suis dit, mais ils se fichent de qui? Déjà qu'ils ont le besoin d'aller auprès de ces commentateurs, podcasteurs royaux, je parle de ceux qui sont sur Internet, hein, pour donner cette information, disant que, en fait, les effets sont bien là, mais vous ne voyez pas parce que pendant 2 heures, elle a été maquillée. Non, je suis désolée. Quand on regarde Kate Middleton, elle est bien portante, bien souriante, avec tous ses cheveux. Est-ce qui me fait avoir des doutes maintenant? Si au départ, j'avais pas des doutes, maintenant, j'en ai encore plus. N'est-ce pas? Je me disais que pour moi, elle avait eu un problème de santé mentale, elle avait sûrement été internée, elle était partie pour ça. Mais finalement, je crois que je change d'avis, ce n'est plus ça. Mais je penche maintenant pour la chirurgie esthétique. Parce que cette histoire de cancer, malheureusement, je n'y crois pas. Donc certains vont me dire, ce n'est pas humain, comment est-ce que je peux dire ce genre de choses? Mais c'est la réalité. Je suis désolée, c'est la réalité. Le fait est que il y a une femme qui se présente comme avoir souffert de quelque chose, mais elle ne présente pas les signes. Je regardais d'ailleurs une autre jeune fille qui avait eu un cancer récemment et qui avait eu vraiment de la chimiothérapie intense. Elle n'était pas bien portante. Hein. Ça se voyait qu'elle était malade. Elle avait perdu tous ses cheveux au niveau des sourcils, la tête et tout ça. Donc, ce sont plus que des doutes que j'ai, ce sont des certitudes par rapport à ça. Je ne pense pas qu'elle ait eu quoi que ce soit. Et le fait qu'ils envoient des gens dans les podcasts de ceux qui font des vidéos sur Meghan Markle qui l'insultent tout le temps pour dire qu'elle porte un maquillage, ça veut dire qu'ils essaient de cacher quelque chose. Voilà. Mais vous savez, la vérité finit toujours par sortir. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.